Abonne-toi si t'as aimé cette vidéo, sinon je te mets un coup de clé. Et surtout, n'hésite pas à aimer. Salut tout le monde, on se retrouve sur Sky. Et ouais, ce jeu qui était super beau, on s'était laissé. Qu'est-ce que c'est ça? Ah là 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 là. Je dois télécharger la forêt et la forêt cachée. Donc on s'était laissé ici, il me semble. Alors on va aller par là. Je pense que c'était là qu'on s'était laissé. Et j'avais vraiment apprécié énormément le jeu, que je trouvais ultra beau et qui est toujours si magnifique. Et du coup, ça me fait très plaisir de vous retrouver dessus. Je pense que c'est là la suite. Il n'y a rien qui déconne avec ce jeu. Le son, il est magnifique. Les graphismes sont magnifiques. Donc on va essayer d'en faire un let's play intéressant. Ce qui me gêne un peu avec ce jeu, c'est que il n'a pas vraiment de limite à proprement parler. J'ai l'impression que il y a des saisons entre guillemets où il se passe des nouvelles choses, etc. Voilà. Donc voilà, on s'était laissé ici, hein, il me semble, mais genre vraiment ici, quoi. Ah, la musique, elle est magnifique. Y a rien à dire. C'est relaxant. Ça me fait vraiment penser à journée. Journey. Journée. Je sais pas comment on dit. Et du coup, j'aimerais. Je vais essayer de le trouver, ce jeu. Je l'ai cherché, hein. Je l'ai pas trouvé. Vous avez déjà vécu ce souvenir d'esprit. Ok. Allez, on passe au suivant alors. Et journée, c'est un peu la même chose, mais un peu différent. Ah oui, c'est très clair. Comme dit comme ça, c'est très très clair. Ok, merci. La forêt qui télécharge. Ok, on va aller là dans ce petit trou, dans cette petite grotte. Il y a sûrement quelque chose à aller voir. Allez, on y va de ce pas. Et on peut y aller. Donc c'est parfait. On y va. Allez, ouvre-toi. Sésame. Ok, donc là on voit rien du tout. C'est juste. C'est vide? Ok. Apparemment c'est vide, hein. C'est juste pour se reposer ou. Ou que sais-je. D'accord. Bah écoutez, c'était plutôt joli. Mais bah du coup, c'est tout quoi. C'est juste joli. Fallait peut-être attendre. Non, il se passe rien de particulier. Ok. Allez, on passe à la suite, hein, du coup. Hop. C'est peut-être là la suite, je pense. On y va. Il a l'air d'avoir quelqu'un 1 sur 4. Sauver d'autres esprits dans cette constellation pour continuer. Ok. Donc il faut que je sauve d'autres esprits dans cette constellation. Ok. Alors comment fais-je? Comment puis-je faire pour sauver d'autres esprits? Ok. Oula oula. Oula là là là. Ah, il y a l'air d'avoir un truc là-haut. Comment je fais? Pour monter, je veux monter là. Je veux monter au-dessus. Ah là, je me suis fait avoir. Ok, il faut que ça remonte. Ok. Ok, bon. Alors c'est pas là apparemment qu'il faut aller. Je ne peux plus du tout voler. Ok, c'est bon. Est-ce que vous êtes perdu? Touchez votre personnage pour appeler et révéler le chemin. Ok, donc apparemment c'est il faut aller tout droit. Hein. Je pense que c'était bien ça.
Hop là. La lumière alliée vous permet de voler plus haut. Ok. Ok, j'ai un nouveau niveau. La prairie illuminée. Faites sonner les cloches de la tour pour révéler votre chemin. Ok. Ah oui, bah c'était exactement là où on s'était laissé, avec ces histoires de tours. Enfin, je sais pas. Je crois que c'était là qu'on s'était laissé. En fait, ça fait un long moment que j'ai pas fait le let's play. Et du coup, je me souviens plus vraiment où on en était exactement. Mais ça me dit vaguement quelque chose. Oh, le jeu, il est super beau, hein. Franchement. On a vraiment de la chance d'avoir ça sur. Sur téléphone, quoi. C'est impressionnant. Ok, donc j'ai l'impression qu'on peut pas faire les deux d'un coup. Donc c'est pas grave. On va se rendre sur la tour pour la faire sonner. Et on va la faire sonner. Magnifique. Magnifique. Et ça, c'est un jeu sur téléphone. Je suis abasourdi, quoi. Moi, j'ai grandi avec la PS1, tu vois. Et du coup, bah, ça fait vraiment bizarre de voir des jeux aussi beaux sur un aussi petit support. Et franchement, bah ouais, c'est magnifique. Y a rien à dire. On va aller voir de l'autre côté, c'est quoi ça? Est-ce que c'est une âme perdue ou quelque chose comme ça? Suivez l'esprit, oui, c'est bien ça. C'était un esprit qu'il faut suivre. Alors on va le suivre pour l'accompagner. J'aime bien la musique mélancolique. Ça va tellement bien avec le truc. C'est assez ouf. C'est magnifique. Ouais, je vais répéter 10 fois que c'est magnifique. Mais pour le coup, c'est vraiment magnifique. Ok. Donc c'était le mec qui était chargé de nettoyer la tour, apparemment. Oh, ils sont partis sans lui. Ou alors il lui fait coucou. Je sais pas si c'est triste ou si c'est mignon. Et voilà. Repose en paix, petit esprit. Repose en paix. Ah, c'est mignon. Allez. Ok. Alors, on va descendre. Il y a pas mal de saloperies. Hop. On va activer la tour pour Casson. Allez, plus que deux. Enfin, plus qu'une, du coup. Là, je suis à deux. Plus qu'une. Et après, notre chemin va s'ouvrir. En tout cas, merci les mouettes qui m'ont montré le chemin de A à Z. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans elles. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est mignon. Qu'est-ce que c'est joli. Allez. On ouvre le dernier. On fait sonner la dernière cloche.
Une vraie manta, quoi, carrément. Oh là là. Le son est magnifique. C'est... Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Ouais, t'as tous les oiseaux qui vont vers la tour, là. C'est magnifique. Voilà, donc je sais pas trop par où je dois aller. Là, il y a les Raymanta ici. Je pense qu'il faut que j'aille par là. Parce qu'il y a un truc qui est apparu. Faut que j'aille voir c'est quoi. Hop. Ah, je vole trop. Pas possible ça. Et voilà. Atterrissez et montez les créatures des lumières. Pour atteindre de nouveaux lieux. Ok, donc je dois aller sur... je dois atterrir sur elle. C'est impossible. Comment je fais pour monter sur elle? Oh, c'est magnifique. Grâce à elle, je monte. J'arrive sur le nouveau lieu, quoi. Waouh. Splendide. Bon, je peux pas monter plus haut. Là, il y a une entrée. On va prendre l'entrée. C'est vachement noir. Ok. Il y a 3 bougies. On va avancer vers ces fameuses 3 bougies. Et je vais les enflammer, je pense. Hop. Magnifique. Qu'est-ce qu'on va voir? C'est quoi ça? Waouh! Ah ouais, d'accord. Ok, c'est un esprit qui rigole zéro, lui, par contre. Waouh, je me sens minuscule. Je me sens ultra minuscule. Waouh. Ce jeu, il est vraiment beau et tout. Même dans... Alors, dans sa musique, il est beau. Dans ses graphismes, il est beau. Et dans ce qu'il dit... Je ne sais pas comment expliquer. Dans son scénario ou dans ce qu'il dit, tu vois, d'une manière... Sans parler, il te dit quelque chose. Il te parle. Il est magnifique. Et genre, c'est vraiment... Voilà. C'est vraiment un excellent jeu, quoi. Et ça, c'est sorti sur téléphone. C'est chaud, c'est vraiment chaud. C'est comme quoi, hein. Des fois, faut pas grand-chose pour... Hop. Je comprends pas tout ce qui se passe là, mais je vais prendre tout ce que je peux acheter, je le prends. Ok.
Ok, là j'ai plus assez. Mais ce n'est pas grave. Votre expression est maintenant niveau 2. Ok. Waouh, c'est magnifique. Tous les papillons qui s'échappent là. Waouh. Juste waouh, quoi. Ça, on l'a fait, ça. Maintenez sur vous-même pour faire un appel. D'accord. Waouh. À chaque nouvelle mécanique, je suis comme ça, je suis en train de me dire waouh, c'est magnifique quoi. Je suis totalement in love du jeu quoi. C'est assez flagrant quoi. On va rentrer à la maison, on va sauvegarder quoi. Et du coup, ça va être la fin de l'épisode. N'hésitez pas à commenter, à aimer et à partager si ça vous a plu. Si ça vous a plu. Et on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures sur Sky, les enfants de la lumière.